Bonjour à tous, aujourd'hui c'est les épandages d'azote. Donc aujourd'hui on est le 10 mars et les épandages d'azote ont commencé déjà depuis quelques jours maintenant sur les blés et les colzas. Alors l'épandage d'azote c'est quoi? C'est de l'engrais en fait, donc nous il est épandu en liquide. Et l'objectif en fait c'est de faire repartir les cultures à la sortie d'hiver. Alors on dit souvent que ça donne un coup de boost à la sortie d'hiver, ça sert aussi et surtout à ce que toutes les plantes du champ repartent en même temps. Parce que si on ne le faisait pas, les plantes partiraient quand même, elles partiraient peut-être moins vite et surtout pas toutes en même temps puisque chaque plante est différente hein, les unes des autres. C'est un peu comme nous autres les humains, hein, on est tous différents les uns des autres. Alors on va aller voir un champ de blé et un champ de colza pour voir les différences par rapport à avant. Alors le blé, je ne sais plus si j'avais trop de différences, mais on va aller voir dans les colzas, il y a une nette amélioration à la sortie d'hiver, vous allez voir ça a bien poussé. Ok. Alors pour la vidéo, je vais rester dans le passage de traitement qui est ici. On peut voir par rapport à mon bras que ça a bien poussé. Donc ça arrive quasiment à mon coude. Hein. 20, on n'est pas à 40 cm, on est à un bon 30, ouais, 40 cm de haut pour l'instant la culture. Donc par rapport à avant où on était à une petite dizaine de centimètres, l'amélioration est bien nette. Et on voit que sur les vidéos d'avant, il y avait des irrégularités. Et là, le champ semble beaucoup plus régulier. Alors on va aller voir à côté dans le blé, ce que ça donne aussi. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on voyait bien la terre entre les rangs. Il était à son stade normal, quoi. Et là, je vois le champ juste bon, si j'arrive pas à ouvrir la barrière, ça... Et là, je vais tourner la caméra et on va voir que le champ maintenant, hop, voilà, c'est un beau tapis. Donc là, c'est pareil, il y a eu l'étale. On n'a pas besoin de s'avancer bien loin dans le champ hein, pour remarquer. Alors voilà, une tale. Qu'est-ce que c'est que le blé qui tale? Eh bien en fait, à partir d'une graine, il y a eu plusieurs départs. On en voit un là, un autre ici, un autre là, un autre là. Voilà. Et en fait, chaque graine du coup, qui avait donné une feuille en fait au départ de sa croissance, le blé est une monocotylédone, elle donne une première feuille et elle a talé pour en donner maintenant plusieurs tiges. Donc l'azote sur le blé, même principe, hein, refaire partir le blé de manière homogène à la sortie d'hiver. Donc je ne sais pas si on pourra voir le tracteur travailler parce que j'ai un petit souci, c'est que ma voiture est en panne. Et c'est du coup je suis bloqué. Et puis de toute façon j'arrive pas à avoir papa au téléphone donc je sais même pas où il est. Sinon pour l'azote c'est normalement le Fiat, donc le 115 qui fait l'épandage. Sauf que là il a une petite panne dessus au niveau de la pompe hydraulique. Donc on a repassé le 781 dessus, donc le 80 chevaux. Donc il s'en sort bien, hein. C'est juste que bon, il ne faudrait pas que ce soit trop humide. Et en plus la traiteuse a un problème aussi, elle a un problème au niveau de l'agitateur. Alors l'agitateur c'est ce qui permet de mélanger le contenu de la cuve. Mais en fait c'est pas grave pour l'azote, puisque l'azote est un produit qui est entre guillemets prêt à l'emploi. Donc il n'y a pas besoin de le mélanger. Donc en fait la traiteuse peut travailler quand même comme ça. Bon bah finalement il y aura quand même des images. Parce que je viens de le voir passer sur la route, puis j'ai couru après. Donc là on voit le produit qui coule dans l'ombre du tracteur. Et donc on a pu remarquer que le produit il coulait en 3 filets. Alors les bus s'appellent des trifilets, c'est fait exprès pour l'azote. Et donc en fait ça coule en 3 filets et pas en brouillard, parce que l'objectif c'est pas d'aller sur les feuilles de la plante, mais bien aller dans le sol, sur la terre. L'azote également a aussi la caractéristique de brûler un peu les feuilles. C'est pour ça entre autres qu'on n'utilise pas les jets pinceaux pour épandre. Moins ça va sur les feuilles, mieux ça vaut finalement. Et là on a un voisin qui passe avec sa traiteuse. On voit que c'est la saison pour tout le monde. Voilà, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Alors je suis désolé, elle manque de détails et surtout d'images qui sont indépendantes pour le coup de ma volonté. Mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!